match entre les deux. Voilà Zemali qui s'amène en percussion sur la défense de la PAC. Accroché, voilà, penalty. Penalty. Blérim Zemali est allé chercher un penalty. 12e minute, l'Impact de Montréal revient. Faire retentir Piatti. Piatti, c'est 1-0, il sonne les cloches. Oui, messieurs, là, Sébastien Blanco qui a mal. Ouais, attention, ouais, avec le banc, le Blanco avec le banc. Zemali semble avec le Piatti. C'est Piatti qui réussit à rentrer. Oh, oh, Chara. Oh, oh, ah. Et là, Chara, est-ce que ça sera rouge? Ouais, oui. Avec carton rouge pour ce coup de Diego. Qui, suite à ce choc, ouais, directement avec l'épaule, la tête de Carl Fischer particulièrement, est-ce qu'il y aura protocole de commotion cérébrale? Assume Camara. Zemali, au drapeau de coin. C'est au second poteau. Fischer y est de la tête. Fischer en bas! Carl Fischer fait 2-0! Et le coup de pied arrêté à nouveau. Il amène sur un premier rideau défensif entre les lignes. C'est Zemali. Donne pour Jackson. Laisse pour Piatti. Piatti s'amène. La frappe de Piatti! Mathieu Piatti, c'est 3! Je pense que la leçon du dernier match a été bien apprise. Ballon qui est repris par Balouta, bloqué, rentre dans la surface, table à remettre pour Jackson derrière, le goal! Et bien tout ça commence avec Balouta. Pour sortir au profit de Daniel Lovitz. Il fait la différence. Il a cahier de plusieurs des joueurs de l'Impact de Montréal. Et ces deux hommes aussi, hein, cette association au milieu de terrain dans un 4-3-3. On voulait les voir sur 90 minutes et on l'a vu. Les deux milieux relayeurs, le Suisse Blérim Zemali qui est terriblement efficace depuis qu'il s'est amené la semaine passée. C'est sobre son jeu, mais c'est vraiment important. Il joue juste, il a de leadership, il arrive à mettre du rythme. Et tu l'as dit, hein, Frédéric, il est extrêmement en jambes, très affûté. Patrice Bernier a joué un match.